Bonsoir Robert Smith. Bonsoir Robert Smith. Ah bah voilà, là, déjà là, déjà elle va faire l'effort, là, déjà elle mouille la queue, elle la zèle, ça va mieux, là, les yeux qui brillent. Alors, oh, Robert Smith. Alors vas-y, allez, essaye, on ferme les yeux, je te regarde pas. Allez, parce qu'elle est intimidée, hein, parce que Gaëlle est intimidée, je regarde pas. Non, mais je peux pas le faire. Mais si. Oh Fred, mais c'est dingue ça. Non, mais c'est terrible ce que vous me mangez à faire ça. Mais je ne peux pas chanter. Tu sais que c'est un exercice. On te demande pas. Attends, tu crois que moi, quand tous les soirs, je me suis mis la première fois. Monsieur, je peux même chanter, mais je peux pas chanter sa chanson puisque j'ai fait une prise de notes. Donc je peux pas faire une prise de notes. Bah, ça s'appelle prise de notes. C'est une chanson. Comment s'appelait ta chanson, Fred? Bon, c'est l'aigle noir, quoi, je peux donner. Eh ben non, on l'appelle prise de notes. Ben voilà. Voilà, prise de notes. Le nouveau boss a appelé et il veut qu'elle chante. Alors là, je vais te dire, laisse tomber, ça vient d'arriver à l'instant. Ah ben là, il n'y a pas le choix. Ah, il n'y a pas le choix, là. Alors. Bon, ben, je suis viré. Alors, allez, Axel Dubrin a demandé à ce que tu chantes. Allez. Non, mais je peux pas chanter. Mais je peux pas chanter une prise de notes. Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête? Mais c'est hallucinant. Mais qu'est-ce que tu viens me prendre la tête? J'ai pas chanté une prise de notes. Quand tu te laves le vagin sous la douche, tu chantes pas. La 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 la. Quand t'atteins le clito, tu dis la 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 la. Non, je chante pas. Tu chantes pas sous la douche. Non, non, mais c'est bien parce que j'écoute comme musique, c'est pas du chant, c'est la braillerie. Allez, vas-y. Non, mais non. Ah, quand tout à l'heure, t'es dit, ouais, Max, il est gêné, machin, alors je le suis pas. Là, tu l'es vraiment, bah, putain, t'es dans le caca, t'es à le mettre, je te mets le nez dedans. Non, mais c'est que moi, j'ai jamais demandé à chanter, moi. Bah oui, mais moi, c'est. Non, mais c'est vrai, Fred, cela étant dit, c'est quand même ton truc de chanter, c'est pas bien. Je te le demande. Mais je peux pas chanter, c'est une prise de notes, mais Olivier. Je te le demande une dernière fois dans la catégorie, s'il te plaît, avant que je le fasse passer dans la catégorie, c'est un ordre. Je te le demande aussi, moi. Allez. Non, mais je peux pas. Allez, s'il te plaît. Mais je peux pas chanter. Pour moi. Je peux pas le faire. L'émission ne continue pas tant que tu ne chantes pas. Ah non, je crois pas. Il faut essayer. Ah bah non, mais moi, tu me connais pas encore. Hein. Tu sais, moi, j'ai été long des fois, très long. Oh là là. Je suis rapide pour certains trucs, mais là, je peux être très long. On n'est pas pressé, hein. Ah, c'est clair. Bon, c'est clair. Mais ça veut rien dire ce que je fais avec la masque. C'est un nouveau concept. C'est le principe, comme quand Julie dit arrêtez de m'insulter, les gens insultent au standard. Le même titre que quand ils veulent que Gaël ne veut pas chanter, ils attendent qu'une chose, c'est que Max réussisse à ce que je te fasse chanter pour qu'effectivement on puisse entendre qu'effectivement tu ne sais pas chanter oui, comme mais là, il n'y a rien à gagner. Donc ah non, mais si, il y a à se barrer. Il n'y a rien à gagner du tout. Si, on gagne une bonne tranche de rigolade. Silence, parce qu'on va écouter le. C'est quand même la première fois qu'on va entendre chanter Gaël, donc c'est un moment cassette. Et vas-y pour le 15e doigté de la soirée. Gaël se cache derrière un doigté, derrière des. Non, j'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. Un doigté. Non, j'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. Un doigté. J'ai pas dit non, j'y arriverai pas. Oh là là. Bon matin, on a répété. Dans la famille, j'ai pas confiance. La fille, la grande, la petite sœur, le père, la mère, la grand-mère, la tante, le fille, le machin. Là, t'as la famille complète en un, là. Allez, on y va. On y va. Allez, musique. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais non pas avec Julie, mais avec celle dont la voix m'a fait craquer pleine de sensualité. C'est toi, ma gueule adorée. Non mais attends, Barbara, je supporte pas. Non mais personne supporte jamais, donc déjà, non, mais attends, si tu veux, je sais pas l'air. Sans déconner, si tu faisais un petit effort, t'as pas une voix qui est dégueulasse, sans déconner. Julie chante bien, mais toi, tu pourrais bien t'en sortir aussi. Hein. Oui, je pourrais. C'est ça le pire, tu vois, parce que t'as été crispé sur les deux premières syllabes, et tu t'es décontracté après, parce que j'ai fait un « oh là là » pour te décontracter, on a tout de suite senti un rire, donc je pense que tu vas... sans déconner, refais-la, maintenant tu vas être mieux, parce que c'est le plus dur, c'est la première. Sans déconner, tu te démerdes bien. C'est super. Ah non, mais là... Je vais faire un 10 bientôt. Moi, je dis chapeau. Non, c'est bien, on fait là, elle est belle. Ah non, sans déconner. Hey, tu sais que... Non, parce que non, t'étais non, crispée et tremblotante avec ta voix, mais si t'étais décontractée, je suis sûr que tu pourrais bien... Comme moi, comme j'ai chanté que moi, si j'étais un homme. Le conseil que je te donnerais, c'est de la chanter un tout petit peu plus lentement pour essayer de t'en débarrasser le moins rapidement possible. Non, mais c'est comme j'ai jamais entendu en plus une fois. Allô, attention, on recommence, Fred. Je suis sérieux. Sérieux. On y va. En fait, silence, hein. Silence. Sinon je fais évacuer la salle. Silence, je t'accorde. On recommence. Mais c'est pas mal. Ça tourne. Gaël, deuxième. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit. Ça va pas, toi, je descends. On coupe. René, coupe. René, tu coupes. Non, mais je connais pas l'air du truc, putain, de moins de c'est le manager avec sa chanteuse, il s'en sortira jamais. Du beurre.
C'est super ce que tu fais. C'est super. On reprend depuis le début. On y va. Gaëlle, Barbara, je suis morte. Troisième. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais non pas avec Julie, mais avec celle dont le voix m'a fait. Et là, tu pars en vrille. René, tu coupes, s'il te plaît. Bon, c'est pas mal, c'est super ce que donc tu c'est veux. Bon maintenant. Non, t'es pas allé jusqu'au bout là, de ta phrase. C'est bien. C'est bien. Mais ça va pas. On va la refaire. Les... Barbara, je suis morte, chantée par Gaëlle, quatrième. Ça tourne. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais. René, tu coupes s'il te plaît. Bon, c'est non, pas mal. Attends, on va pas en plus. C'est super ce que tu fais, c'est mortel. C'est génial, je peux arrêter. On va la refaire. Ah bah non, il faut aller jusqu'au bout. Barbara, je suis morte. Mais tu prends les trucs les moins évidents à faire, quoi. Bon, René, tu lui dis qu'elle me parle, mais sur un autre ton quand même, c'est moi le manager. Je suis morte, de Barbara, chantée par Gaëlle, cinquième. Ça tourne. Ce matin... Prenez un coup. Bon, c'est super. Les trois premières syllabes, elles sont impeccables. On a réussi enfin à les mettre en boîte. Moi, sur ce matin, je tiens bien le choc. Il n'y a plus que 850 syllabes à caser, puis on va pouvoir y arriver. Hein. Là, c'est vraiment Monsieur Bricolage, ensuite avec la bande. Bon, on recommence. Hein. Barbara, je suis morte, chantée par Gaëlle, sixième. Ça tourne. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais non pas avec Julie, mais avec celle dont la voix m'a fait craquer pleine de sensualité. C'est toi ma Gaëlle adorée. Voilà. Hein oh voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, René? Quoi, ça tournait pas? Oh non! Alors là, c'est trop con, là. On a bien enregistré. Faire avec les chutes des bandes, ça va le faire. Ben voilà, elle y est arrivée. Hein? On a pris à peu près, pour faire un truc minable... Une demi-heure. Un truc de 30 secondes minable, on a fait à peu près... on a mis une demi-heure. C'est mieux. Voilà, Gaëlle, elle s'empresse de l'enlever, de lui mettre sur les oreilles. Tiens, c'est ouais. À ton tour. Bon débarras. Je suis sûr qu'il y a dû y avoir un ou deux accidents sur la route, là, à mon avis. Si vous pensez qu'il allait faire beau toute la nuit, trop dérompez-vous, il va pleuvoir. Mais heureusement, le beau temps arrive avec tout de suite Julie. Attention. Mais il faut chanter les paroles de Gaëlle ou les paroles de Gaëlle? Parce qu'attention. On l'appelle Julie parce qu'on est obligé dans le milieu professionnel, mais dans le milieu privé, on l'appelle Madame Karaoké. Hein. La chanson française, c'est son imbattable. Alors, on écoute d'abord la version parodie de Fred, c'est ça? Ouais. Et ensuite, peut-être que nous aurons le droit à la version originale, où là, carrément, tout le monde va se barrer, à moi le premier, des studios, parce qu'on peut pas dire que Barbara, c'est un bon débarras, mais ça serait quand même dur de dire ça. Mais bon, Barbara, l'aigle noir, hein? Pas non plus déconner. Mais là, mais il n'y a qu'une chanson, je t'ai dit que je pouvais chanter en entier. On y va, c'est parti. Cette fois-ci, accompagnement, maestro, musique, c'est parti. Ce matin, j'ai rêvé. Prenez coupe. Je crois qu'on est dans la galère aussi, là, on est bien parti. Je crois qu'on n'est pas prêt de refaire de la radio en ce moment. Hein. Mais c'est pas mes paroles, ça va pas. C'est les paroles, bon. C'est les paroles qui les paroles. Hein. Deuxième prise de l'aigle noir, interprétée par Julie. Attention, René, tu fais tourner sa coupe, c'est parti, ça tourne. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dors, mais non pas avec Julie, mais avec celle dont la voix m'a fait craquer pleine de sensualité. C'est toi, ma gueule adorée. Oh, le massacre à la tronçonneuse. Ah, c'est clair. Celui qui écoutait vraiment fort chez lui ou dans le casque, à mon avis, on lui a explosé, à mon avis, la moitié des médiums et des aigus, parce que là,
Mais c'est horrible parce qu'elle chante, bah ouais, elle avait une voix horrible. J'ai toujours l'impression qu'elle allait mourir d'ailleurs. Elle avait une voix horrible. On n'est pas à la limite de dire bon débarras, mais. Non, mais en plus, il était temps que ça cesse. Elle avait une voix grave parce qu'en fait, quand tu prends les vraies paroles, c'est un beau ou peut-être. Enfin, tu peux le prendre plus bas, quoi. Alors, dis-là, ce matin, j'ai rêvé. J'étais obligée de monter, c'est pas possible. Elle va nous manquer. Horriblement. Encore ou deux albums avec les quotas de 40% musique française et si, vu la programmation de fin. Elle a chanté une belle chanson, si c'était ma plus belle histoire d'amour. En plus, je la connais, mais je sais que c'est très joli. Non, en plus, c'est bien, on taquine parce qu'on ne peut pas rétorquer, parce qu'on ne peut pas lui demander d'appeler, elle ne pourra pas répondre aux attaques. Les absents toujours tant. Voilà, les absents toujours tant. Non, c'est pas mal, là, Fred, hein. Ouais. Après nous avoir ridiculisé lamentablement. Quelle honte, Fred. Je propose Ah bah non, et René. René première. Ouais, faut faire tourner la main, René. Parce que si la première est bonne, ça serait dommage qu'on soit obligé de la recommencer. Hein. Non, mais moi, ça me dérange pas de chanter faux. Je suis pas comme toi. Je sais que je chante faux, mais il faut pas avoir peur de chanter. Il faut s'exposer au public. C'est les gens qui sont là, le public qui écoute la radio, ont envie de se marrer. Ils ont envie de se marrer. Ils doivent se marrer. Ils ont payé pour ça. T'as payé pour ça, Fred. Ah bah c'est clair. T'as le droit de te marrer. Ah bah, ouais. Bon, bah alors, à mon tour. Oh bah ouais. Avec plaisir. 3, 4. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit. Eh, attendez, stop. Attends, vous René. Vous ricanez, pour l'instant, celui qui chante le moins faux des trois. Mais oui, parce qu'elle a une voix grave, c'est ce que je disais, mais elle n'a pas une voix grave, parce que sinon, on a des voix grave. Ce matin, alors je vais te la faire bien grave. Ok, fais-nous la crooner. René, deuxième. Attention, 3, 4. Ce matin. Attends, excuse-moi, René. Coupe. Tu peux pas me la faire. Stop, j'ai un flash, de l'AFP. Attends, 450 000 personnes sont mortes de rire. D'accord, ok, bah c'est mieux que ça que mort tout seul de plus d'avoir d'oxygène et tout. Dis donc, Fred, ouais. Tu peux pas me la faire un peu plus Elvis Presley? Qu'est-ce que t'entends par là ? Rock'n'roll. Un peu plus rock'n'roll, je veux dire. Un peu plus speed dans ton truc parce que c'est pas moi qui suis mauvais là sur le coup, c'est toi. Hein. Ok, moi je voyais plus. Fais ça, une version bon. Techno du truc. Fais-moi écouter un accord ou deux là pour voir. C'est un acoustique. Voilà. Comme ça ? D'accord. Ok, on va le faire comme ça. 3, 4. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais. Pas. Non pas avec Julie. Ah non pas avec Julie, d'accord. 3, René, tu mets la bande, s'il te plaît. René, quatrième. René, non, eh oh. Attends. René, troisième. Big up, bah big up, là non, parce que j'ai demandé à changer de parole, de texte. Quand c'est dit. C'était pas le parolier qui arrivait pas, c'était le musicien qui suivait pas, là. On y va. Ok. 3, 4, ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais, non pas avec Julie, mais avec celle dont la voix me fait craquer, pleine de sensualité, c'est toi ma Gaëlle adorée, et je vous emmerde car j'y suis arrivé, sans trop folir, trop de difficultés. Voilà René, c'est dans la poche. Je suis désolé, revendication au standard, on a dit qu'on chantait mieux que toi. Un peu vous, évidemment, il y a que des beaux fruitiers à deux balles qui bouffent de la cacahuète toute la soirée en attendant qu'ils y retrouvent les pièces, machin. Attends, il n'y a personne qui a appelé, en plus vous êtes des menteuses, mais c'est quand même pour le dire. Si. Oui, mais pendant que le routier se fait chier, appelle pour dire vous avez mieux chanté, pendant ce temps-là, il y a les filles qui, elles, au lieu d'appeler pour dire que c'est moi, elles se touchent en m'écoutant chanter. Attends, mais tout le monde a le droit d'être ridicule à un moment donné, hein. On a chacun sa minute. On a chacun sa minute de gloire. C'est sur ce coup-là, je suis quand même assez personnel, hein, assez égoïste sur ce moment de minute de gloire. Ce matin. Ah, bah attends, j'ai rêvé dans mon lit. Attends, moi je chante à capella, c'est mieux. Non, avec Fred, Fred guitare. Allez, lui. Oh, avec lui à n'importe quoi. Tu t'en fous, tu fais n'importe comment, c'est pas mal. Fais-le à la Vivis. Alors, René première. Vivis première, vas-y, pas attention, ça tourne. Ce matin. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais, non pas avec Julie, mais avec celle dont la voix m'a fait. Oula.
craquer. Attends, excuse-moi, mais là, c'est plus du tout la mélodie de Barbara, c'est la mélodie de. Je ne connais pas la mélodie, je te dis. Je ne connaissais pas la mélodie. Parce que là, c'est Bourbourra, là, que tu nous fais. C'est plus Barbara. Je peux te faire à la Renault. Ce matin, j'ai rêvé. Alors, fais-le à la Renault. Lequel Renault? Non, je sais pas, hein. Il veut faire la Renault pour dire genre moi c'est plus Renault, bah faire Renault. Non mais ça y est, j'ai changé là. Ah non, bah non, il manque la moitié, c'est pas du tout, c'est du Bourbourra là que tu l'as fait, c'est pas du Barbarin. Alors, attends, on y va, 3, 4 René, tu fais tourner la bande, on y va, c'est parti. Bah, faut que tu m'aides, alors faut que tu me donnes l'air. Ce matin, j'ai rêvé dans mon lit que je dormais, non pas avec Julie. Et on finit Winter là. Mais avec elle dont la voix. Oula. M'a fait craquer, plein de sensualité. C'est toi, ma gueule adorée. Ça fait Renaud. Et tu sais quoi, quand je t'entends chanter comme ça, j'ai l'impression d'entendre les G-Squad. C'est les G-Squad. C'est vrai. Ils sentent... mais c'est bien pour toi. C'est mal pour eux. C'est qu'ils tu sentent aussi bien que les mecs des G-Squad. Excuse-moi, je voulais avoir quelqu'un qui pouvait s'y connaître, si quelqu'un pouvait me renseigner. En fait, voilà, j'ai ma minette, là, une petite chatte, qui a mis bas, d'accord? Oui. Il y a à peu près, toute petite noire, il y a à peu près 3-4 heures. Ça va, raciste. J'ai rien dit. Non, et il y a un des petits chatons qui est sorti sans oreille, hein, et avec le nez complètement écrasé, un peu bizarre. Non, ouais. Non, mais c'est rigolo, mais ça me fait un peu peur, parce que j'ai pas envie qu'il meure, et il arrête pas de crier, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est un bébé, quand même, hein? Ouais, mais il a pas d'oreille. Bah ouais, mais il peut se permettre de gueuler fort, il se rend pas compte qu'il gueule, il est sourd. Non, mais... Ah bah ouais. L'avantage d'un sourd, c'est qu'il a beau gueuler, le lascar, il sait pas. Non, mais il a l'air d'être mal, alors moi, je savais pas comment faire. Bon, bah, on va Gaël et Julie m'ont dit qu'apparemment, ils avaient un numéro d'hôpital, c'est pour les animaux, veto et compagnie. On va appeler maintenant SOS, SOS Veto 24h/24, et on va lui demander très sérieusement ce qu'on peut faire pour... Ah bah, c'est sympa. D'accord, parce que sinon, moi, j'ai une autre solution, mais on verra ça plus tard, c'est ça. Hein. C'est quoi? Elle rigole, mais c'est ce qui va tomber sur le coin de la gueule. Clinique vétérinaire, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis avec une amie qui est à mes côtés, qui a le téléphone à côté. Elle a eu une chatte qui a mis bas avec 3-4 bébés. Mm-hmm. Et parmi les 4, il y en a qui pleurent tout le temps parce qu'en fin de compte, là tu peux peut-être expliquer, Isabelle, il n'a pas d'oreille. Non, il n'a pas du tout d'oreille. Ah bon? Ouais. Non, mais ou pas développé en tous les cas. Et on voulait savoir si ça pouvait arriver, et si oui, qu'est-ce qu'il fallait faire ou... Il va bien, il tète. Ouais, mais il arrête pas de crier. Non, il va pas vers la maman, il a tété un petit peu, mais il va pas du tout vers la maman, il est bizarre, quoi. J'ai l'impression que... Ouais. C'est possible qu'il y ait une malformation, hein. Ah bon? Ah bah ouais, ça peut venir que de là, ou alors si lui est bien formé, il y a à peu près plus de 50 millions de vaches de chats qui sont mal formés dans ces cas-là. Non? Oh, mais c'est possible qu'il y ait aussi des malformations internes, hein, ouais. Chat. Ouais. Bon, c'est tout, voilà. Voilà. Bon, mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah non, à moins d'aller mettre peut-être les doigts, mettre les doigts dedans pour lui refaire sortir les oreilles qui sont restées à l'intérieur. C'est comme quand on parle des chauves avec les cheveux qui poussent à l'intérieur. Non, il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est... Je vous dis, il y a peut-être des malformations internes qui font qu'il ne sera peut-être pas viable. Hein. Ouais. Ouais, c'est là qu'il faudra voir. Hein. Il faut voir comment il se comporte. Faut l'emmener chez un véto. Si demain il n'est pas bien... Bah oui, mais enfin, il ne nous le dira pas, hein. Donc le vieux. Il sera abattu par rapport aux autres chats. Ah, abattu. Vous pensez déjà qu'il faut le tuer? Non. Il sera abattu. Ah non, mais abattu, vous voulez dire fatigué? Fatigué. Ah oui, d'accord, ah, ok. D'accord, parce que ouais. Moi j'avais compris, vous savez. Quand même pas, on va pas. Non, mais c'était pour faire rire, c'était. Bon, ok, bon, bah merci en tous les cas du renseignement. De rien. Au revoir. Au revoir. Donc apparemment, Isa, s'il est abattu. Ouais. Sinon, moi tu me l'envoies, je te dis, il y en a pour 2 secondes, hein. Ouais, plus cher. Ça lui fait pas mal au chat? Non, le pauvre. Oh, oh, le petit mini. Mais il a même pas un embryon d'oreille? Non, il a rien. Vas-y, mets-le moi en face là, il est où ce... Non, mais je peux pas, il est là-haut là, il est... Non, j'ose même pas imaginer quelle tête il doit avoir, un chat. Mets-le moi en face là. Il est vraiment bizarre, il a une tête bizarre, hein. Mets-le moi en face là, il est où là? Non, mais il est là-haut, je vais pas le déranger. Non, mais là, il est en face ou pas là?
Ouais, puis ouais, si on veut, ouais. Ouais. Ouais, allez. Bon, alors mets bien le combiné de téléphone juste en face de lui. Voilà, je le mets là. Bien. Ouais. Non, ben non. C'est bon, ça y est. Non, mais tu parles toujours, toi. Non, mais voilà. C'est bon, là ? Ne lui dis rien, surtout. Je vais faire ça discrètement, hein. T'entends ce que je vais faire ou pas ? Tu m'entends ? Ouais, ouais. Alors, discret, hein. Moi, ouais. Ça va, ça, attends, ça sera sans douleur. Ça va durer une seconde. Attention, je prends la truc dans la main. Attends, aide-moi, voilà. Attention, ne bouge pas, hein. Je recule un peu, hein. Pousse-toi quand même, Isa, pousse-toi. Isabelle ! Ah ! Pousse-toi, pousse-toi. Voilà, attention, on y va. Voilà, il t'emmerdera plus maintenant. Voilà, attends. Non, vais... Attends, attends, parce que là, oh là là, c'est une charpie là ce que j'ai fait. Il n'y a plus rien là, le pauvre. Non, mais attends, je suis pas quelqu'un de méchant. De sang, Non, mais il y a du sang partout. Attends, je vais passer un coup de balai. Voilà, on va nettoyer quand même. Voilà, le chaton. Voilà. Bah, il était tout mignon, hein. Bah ouais, mais regarde, c'est encore beau, regarde, dans une pelle, hein. Tu le veux pas, Non, non, t'en veux pas, hein. On va le donner aux éboueurs, on va le mettre dans un sac, hein. Non, mais tu veux pas un chat, Max? Pardon? Tu veux pas un chat sans oreilles? Oh bah, écoute, moi j'ai passé l'âge d'adopter des bêtes, hein. Je crois que j'en ai déjà adopté pas mal. Pas d'âge, hein, enfin, je suis pas... Non, y a pas d'âge, non, mais je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais en ce moment, adapter un chat, non, parce que c'est vraiment le genre de bestiole qui me laisse complètement indifférent. Ah bon? Ah ouais, parce que je trouve ça infidèle, comme les femmes. Ah non, c'est pas... Ah non, 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 moi je suis pas d'accord, hein. Ça fait des câlins. Voilà, à la rigueur pour faire des câlins un petit peu, comme le faisait si bien Diffoul, qui était maître en la matière, à la rigueur... Une chatte, si c'est une chatte, ça m'intéresse, parce que moi, j'adore les chattes. Mais moi, c'est pas du tout mon truc, hein, malheureusement. Je te ferai pas croire que j'aime ça et que je vais en adopter et tout. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et en plus de ça, contrairement à certains qui adoptent des chats, moi, comme j'ai la chance d'avoir des amis tout autour de moi, j'ai pas besoin de chats pour me tenir compagnie, hein. Non mais c'est pas par rapport à ça, quoi. Non mais je te réponds quand même, je t'explique pourquoi je n'en veux pas, parce que je n'en veux pas, quoi. Putain, j'ai une chiasse, on parlait du prout, écoute. Ouais. Ouais. Non mais franchement, il est comment, Gérard, franchement. Oh putain, j'ai une chiasse. Arrête. Ça te fait rire, hein? Ouais, non, mais c'est la ouais. Première fois que je chie sur quelqu'un et ça le fait rire, c'est génial. Isa. Ouais, ah non, mais je voulais savoir, Gérard, il est comment de physiquement, quoi? Ah non, mais c'est vrai qu'en plus, quand tu connais GG et quand t'écoutes ça... Elle l'a amené, il est toujours là, perdu 3 grammes, c'est bientôt parti, plus que 20 kilos, on y sera arrivé. Voici Manu au standard, vas-y Manu, c'est à toi, lâche-toi. Toujours pas de rime en flurf, bonsoir à tous, 22h, c'est l'heure. Doc et Arnold sont partis, Max arrive sur les ondes, yo. C'est une bombe avec son équipe. Oh, l'alligator a fini sa gamelle de Pâques Junior, Hildar est en régie et Gaël au standard. Yep. Ce soir, on se couche tard, il y a les débats de Gérard. Oh, big respect. Notre ami Manu, ce n'est pas terminé, il a la cam en main, il est prêt à y aller. Il a pris de la coke. Attention, c'est parti, un peu d'impro, peut-être une petite case dédiée à notre ami DJ Rico. Yes Rigo, je prends le micro, rien que pour toi, rien que pour toi Rigo. J'avais des choses à dire, mais en haut c'est pas évident, en ir non plus. Donc je te passe le micro parce que t'es le meilleur au max volume. Un peu surpris, mais on continue quand même avec ce soir. Celui qui est à l'arrêt A de Fun TV, il est en pleine forme, il a un peu triché, son texte est préparé. Bonsoir Hildar, c'est à toi, les mots en IR, c'est partir. Et IR, tu peux t'asseoir dessus. Ouais, c'est Hildar, et comme tous les soirs, je ne suis pas d'accord, c'est des rimes en IR. Et même ce soir, il y aura Gérard, alors les tétards, appelez le standard. Yo, en parlant de tétards, notre ami Hildar, à l'arrêt A, pardon, de Fun TV, et qui bien entendu participera à cette libre antenne du
Star System, Manu Egel au standard 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Et vous l'avez également entendu tout à l'heure en rime et en impro, spécial casse dédié à DJ Ego de Chexa. D'ailleurs, où des membres de, du Wu-Tang seront présents, il paraît qu'ils seront là, les 20 et tout, mais prends pas, peut-être pas tous venir, donc il y en aura peut-être qu'un. Donc, va falloir être au rendez-vous dimanche 20h, 22h. On vous souhaite une bonne soirée et à demain. Salut, à demain. Et l'alligator, bien entendu, également à nos côtés. D'ailleurs, on pourrait peut-être lui demander de faire une petite impro. C'est notre ami Arnoldo. Arnoldo. Yo, Arnoldo. Petite impro de notre ami Arnold. C'est encore rien. Prends ce que tu veux. Apparemment, ça part en couille. Salut tout le monde, c'est Arnoldo. Je vais pas. Non, arrête. Salut Arnold, c'est Arnoldo. Je vais pas rester longtemps car j'ai envie de faire popo. Yo. Big respect. Non, si ce soir on a demandé à Arnold de rester un petit peu, c'est que ce soir on s'est rendu compte hier avec Olivier de la production qu'on n'a pas salué et qu'on oublie bien souvent de saluer. Salut THX, on écoute. Donc Manu écoute aussi, gars, et après vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Underestimate the power of the Force. I am a shadowy reflection of you. You don't believe me? I need that baby alive. We will take what we wish. He will join us or die. Alors ça c'est le son THX. Et en fin de compte on s'est rendu compte avec Fildar qu'il y avait un... Bon, on l'a caché, ça fait des années qu'on travaille en labo dessus. Il y a le son THX et le son... Kiki X. Yes. Il y a des sons Kiki X en ce moment. On avoue qu'on a improvisé, on a fait ça dans la nuit, on a écouté cette bande démo. Et très vite, on s'est dit, bon, tant pis, on va mettre au jour le chant Kiki X. Et comme on a monsieur Cinéma qui est là, oh, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, t'as pas écouté, attention. Ouais. Donc, Chris. Ah merde, c'est pas. Oh putain. Tremblez, THX, tremblez. Grave. Ah ouais, mais là, la machine, attends, j'espère que c'est la bonne. Oh là là. Ah, j'espère, c'est pas facile, attention. Là, c'est le son Kiki X. Hein. Démonstration. J'ai le pouvoir. Le son Kikix, le son de vos salles des fêtes en région parisienne. Trappe, Morpin, Versailles, plaisir. N'hésitez pas à réserver au numéro inscrit sous votre siège. Bon, alors voilà, alors je voulais savoir s'il y avait un espoir, parce qu'on essaie de mettre ça dans les salles des fêtes. C'est vrai qu'on s'est contenté des banlieues, hein, et on a pris, c'est vrai, comme cobaye, plaisir, Morpin, Trappe et Versailles. Alors je sais pas ce qu'il y a. On va écouter juste l'intro du son Dolby, qui est, enfin du son, pardon, THX. Alors ça donne ça, on écoute. C'est le son THX, ouais. Hein, et on va essayer de faire vite, parce que le temps que ça se cale, et ça, c'est le son Kikix. Démonstration. J'ai le pouvoir. Le son Kikix, le son de vos salles des fêtes en région parisienne. Trappe, Morpin, Versailles, plaisir. N'hésitez pas à réserver au numéro inscrit sous votre siège. Bonjour, je suis Fabien. Non, j'ai été kidnappé par les extraterrestres. Aidez-moi, ils veulent vous parler. Je suis un extraterrestre. Je enlève Fabien. Mais si vous voulez communiquer avec lui, il faut lui laisser un message juste après le bip sonore. N'hésitez pas. Bon là, j'y suis allé mollo dans le texte. Hein. Non mais j'y suis, j'ai voulu faire simple. Ouais. Maintenant je suis chaud. Donc attention, cette fois-ci c'est bon. On y va, c'est bon. Rembobine. On y va. Allez attention, on y va, c'est reparti. On recommence. Je recommence. Big up. Allô,
veux bien ton répondeur, le Fabien. J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Ils veulent vous parler. Salut, je suis extraterrestre. Effectivement, Fabien a été enlevé. Mais si tu lui laisses un message après le bip sonore, biguette, biguette, il te rappellera. Ça, c'est le bip. À toi de laisser un message. Je suis allé mollo. Ouais, c'est bon. Non, mais t'as senti que j'avais monté la barrière. T'as senti que... Hein? Ouais, big up. Mais maintenant, je suis chaud. Allez. Hoche, hoche. Attention, troisième message. Allez, on y va. On y va, mais je commence à chauffer petit à petit. Attention, c'est reparti. Attention. Attention, je me chauffe aussi. Bonjour. J'ai été kidnappé par les extraterrestres. Aidez-moi. Bon alors là. Là t'as entendu? Ah ouais. SOS prière. Bonsoir. Bonsoir monsieur, je vous entends pas très bien. Ah oui, qui? Moi je vous entends bien. Ah d'accord, mais moi pas. Ah bon? Ah voilà, bah c'est mieux parce que vous parliez pas devant votre combiné peut-être. Je vous appelle parce que je voudrais me confesser. Ah bah c'est pas, je ne suis pas un prêtre, c'est pas moi qu'il faut vous confesser, c'est un prêtre. Ah d'accord. Ah c'est pour faire une prière seulement. Voilà. Alors est-ce qu'il y a possibilité ensemble de faire, parce que j'ai fait une petite, enfin une bêtise, je me suis amusé tout à l'heure avec des amis à faire des canulars téléphoniques à des gens. Et puis là je tenais à m'excuser parce que apparemment j'ai réveillé quelques personnes, donc j'ai un peu de remords. Oui, mais on va remettre tout ça au Seigneur. Seigneur, toi qui entends monter vers toi cette prière du cœur de ton enfant, tu sais combien eh bien il regrette. Mais toi qui es la miséricorde même, Seigneur, eh bien tu lui pardonnes, c'est vrai. Eh bien Seigneur, tu vois ton enfant tout tremblant devant toi. Eh bien, non, je tremble pas quand même. Non, mais je veux dire, vous savez que ma foi, le Seigneur est bon et qu'il vous pardonne, quoi. Je ne savais pas. Ça, c'est important. Oui. Le Seigneur regarde le pécheur, mais il ne regarde pas le péché. Ah, bah d'accord. Quand on se tourne vers lui. Ça, c'est déjà réconfortant. D'accord. Mais je reste là, au téléphone, je ne bouge pas. Oui, ne bouge pas. Non, nous allons prier ensemble. Ah, d'accord. Et Seigneur, toi qui as monté vers toi cette prière du cœur de ton enfant, nous osons dire en toute humilité et comme des enfants. Nous avons confiance en toi parce que tu es le maître de l'impossible et tu es vivant. Enfin, c'est pas le... Oui, c'est le maître, mais c'est pas le Star System. Ouais, c'est le maître de l'impossible, Seigneur Jésus. Je me suis un peu inquiété, là. Sois béni, Seigneur, parce que tu es là, présent. Parce que vous êtes devant le Saint-Sacrement. Hein. Je ne savais pas. Moi, j'étais en face de vous, mais... Oui, mais pas... Moi, je ne suis que, si vous voulez, serviteur, mais le Saint-Sacrement est là, présent. Ah, oui, et le Seigneur vous entend. D'accord, ça équivaut un peu à... Comme si vous faisiez du standard, quoi. Voilà. Vous êtes le standardiste de Dieu, d'accord. Voilà. Eh bien, Seigneur, toi qui nous as appris cette prière du Père, nous osons dire. On peut lui parler ou... Ah ben oui, vous pouvez parler. Vous mettez en air. Non, mais on peut lui parler par votre intermédiaire ou... Mais le Seigneur sait ce que vous avez dans le cœur, voyez-vous. D'accord. Je vous laisse mon numéro. Vous me rappelez ou je peux... Non. Ah d'accord, d'accord. Alors, je peux lui parler? Ben, allez-y. D'accord. Dieu, toi qui... faut que je parle normalement, j'ai pas besoin de... Voilà. D'accord, Dieu, voilà, je tenais à... Je parle pas à Jésus, c'est juste à Dieu. C'est au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, parce que... D'accord, parce que Jésus est plus jeune. Voilà. D'accord. Dieu, papa, excuse-moi, j'ai fait des petits canulars tout à l'heure, j'ai téléphoné à des gens avec des amis, et j'avais quelques remords... donc je tenais à m'excuser. Est-ce que Dieu sait, c'est possible d'avoir un kit? Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Eh bien, je vais vous donner, si vous voulez voir ce que chercher dans la Bible, c'est un texte pour vous. Oui, je veux bien, oui, s'il vous plaît. Béni sois-tu, Seigneur. Viens donner du cœur et réconforter ton enfant. Je n'en comprends pas, là. Il faut parler devant son combiné, je n'entends pas. Parole du Seigneur. Non, celui-là, non, j'aime pas. Attendez, démarche des parents de Jésus, la foule à la suite de Jésus. Mmh. Choisis un texte, là, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, vous choisissez celui que vous pensez être le mieux. Hein. Voilà, institution des 12. Ah oui, très bien. Le Seigneur veut faire grand, vous voyez. Bon, bon. Tant qu'à faire. Voilà, puis il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. D'accord, il partage, c'est pas là où il multiplie les pains? Ah non. Ah non, ça n'a rien à voir, je confonds l'histoire. Il meurt à lui et il
un institut à 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Ah, d'accord. Avec pouvoir. Pour les envoyer prêcher, mais pas pour faire des petits canulars, hein. Non. Mais Dieu a dû faire lui-même Jésus, il a dû faire des canulars, non, quand il... Des petites bêtises. Il a dû faire des bêtises. Ah, quand il était enfant, mais peut-être, oui. Oh, c'est, vous savez, le Seigneur, si vous voulez, Dieu s'est fait, s'est incarné. Ouais. Il s'est fait homme, et donc il est vrai homme et vrai Dieu. Donc, il a sûrement pris une partie de notre... Mais Jésus faisait des canulars ou pas, non? Comment? Jésus faisait pas de canulars téléphoniques. Ah, je ne pense pas. Non, hein, pas à l'époque. Hein, pas bah non. Okay, et pas les télécoms, tout ça, ils sont arrivés un peu après. Voilà. Alors donc, pour chasser les démons, il institua donc les 12 et il donna à Simon le nom de Pierre, puis à Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donne le nom de... Mais le nom... Ah d'accord, le nom de Pierre, oui, parce que moi j'ai un pauvre copain qui s'appelle Béton, donc... Ah, bon, ça c'est comme Pierre, hein, le béton, hein. Oui, c'est solide, hein. Et c'est là-dessus que Jésus a bâti son église. Donc, c'est quand même solide. Sur une pierre. Voilà, sur une pierre. Hein. Alors, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Zélé. Ah, moi, j'étais avec Jean-Louis, Bertrand, Stéphane, André, Sophie, voilà. Passé, mais n'a pas osé te parler dans la voix. Il y avait Luc, moi, Max, et il y avait Manu, il y avait Gaël, il y avait Julie, il y avait Philippe. Et presque 12, quoi. Ou presque, hein, plus ouais, même. 14. Ouais, ouais. Donc, il y en avait donc deux trop pour faire les... On a failli être 15, mais on n'a pas voulu le laisser rentrer. On a regardé Paul Judas et on a dit non, pas lui, il ne rentre pas. Oui, parce que dans les 12, voyez-vous, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ah, lui, il est con, lui. Ah. Il est méchant, lui. C'est le méchant de l'équipe. Oui. J'aime pas trop, lui. Alors, donc, vous voyez... C'est possible d'avoir des pins ou... Soyez sans crainte. Le Seigneur vous aime, vous le savez, ça. Alors donc... Ah, j'étais pas au courant, il ne me l'a pas dit. Oui. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Et merci. Merci à vous. Et c'est pas possible d'avoir un pins ou... Ah, ben, ça se fait pas encore tellement, hein, ça. Je crois qu'il faut peut-être attendre encore. C'est d'accord. Comme les télécoms, hein, il faut attendre. Il faut être patient. Voilà. On hein? peut pas avoir ni une photo dédicacée de Jésus. Une grande fidélité aussi. D'accord. Bon. Une bonne nuit. N'oubliez pas de m'envoyer un petit kit quand même avec... Voilà. Hein, avec des capotes et puis un pins. Oui, mais c'est... Ne soyez pas surpris des fois, ce qui peut arriver par la poste. Bon, eh bien, il vous aime. Ah bah c'est gentil. Vous avez beaucoup de chance. Bonsoir. Merci à vous. Ah. Bonne soirée. Vous avez entendu? Dieu m'aime. D'accord. Ouais, tu auras des cases dédiées, bien sûr. Des cases dédiées de Dieu, photo dédicacée. Peut-être pins qui arrivera par le courrier. Voyez-vous, donc il existe des SOS prières. Un petit pins de Dieu. On ne sait pas à quoi il ressemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait une roue de... On peut faire un pneu? C'est dur, on sait pas comment à quoi il ressemble, on sait pas comment il dit, ça peut être un pneu, ça peut être une roue de secours, ça peut être un boulon, ça peut être un mannequin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une cassette vidéo, ça peut être un micro, ça peut être simplement le son d'une voix avec un pin tapé dessus. Bonjour, je suis Dieu. Appelle-moi au 36 68 machin SOS prière, 4 francs la minute. Qui cuisine les moules? Qui aime les chaussettes poilues? Françoise. Qui fait du Gifil? Oh là là, ça commence déjà, c'est Amédée. Qui se fait enculer dans les chiottes? Fildar. Qui est obèse? Gérard. Qui est alcoolique? Christine. Qui est plate comme une conversation avec Julie? Oh bah c'est Stéphane. Qui fait les jingles? Gaël. Qui est le perfoura du standard? Olivier. Qui bégaye? Le perfoura? Du standard. Julie? Ouais. Ah bon? Bah ouais, c'est la plus ancienne. Ah bah d'accord, ouais. Donc... Qui fait des plans merdiques? Alors j'ai pu écouter après, donc je suis perdu. Non, j'en en étais à qui bégaye. Ah, Alain. Qui est imité par Michael Decan? Je sais plus. L'alligator. Qui est le plus Michael. Max. Michael. Comment? Michael. Non, qui est imité par Michael Decan? Oh là là, je sais plus. Tataillé, Bruel. Tataillé, ouais. Ah ouais, d'accord. Qui fait d'excellentes... Mais non, réponds à la bonne question, là. Non, parce qu'à chaque fois, il te rappelle la question que t'avais oubliée. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Je sais plus où j'en suis. Je peux pas... Contrairement à Florian Gazan qui n'avait que de choses à faire, moi, je suis en train déjà de... Je réfléchis déjà à ce qui va se passer demain et tout. Ah ouais, t'as qu'à dire que je suis un... Ah, c'est moi. Je suis dans mon mix de demain à la loco. Ah ouais, ok. C'est moi, je rentre dedans 24 heures avant. Ah ouais. Ah non, mais moi, je suis déjà dedans. Bah voilà, je suis déjà en train d'écouter
Je suis déjà en train d'écouter les 10. J'écoute déjà les 10 de demain, alors. Je suis plus déjà dans le stupido, mais déjà longtemps que je vais passer le cap. Hein. Ouais, et en plus, je vais te dire une bonne chose. Ouais. Il fait trop chaud. Je vais te dire, ouais. Il y a plus ils sont en train de refaire la clim à la radio. Et le problème, c'est que je crois que j'ai attrapé froid. Et là, il n'y a plus d'aclim, il fait une chaleur. Et j'ai l'impression que je deviens malade comme un chien. Il y a un piège, hein. D'accord. Alors, qui dit arrête avec ta caméra? Qui fait des débats le jeudi? GG. Qui met de l'Adidas? GG. Qui passe le mardi soir? GG. qui met des tongs l'été? Françoise. Ouais, bien vu, Lascar. Qui dit j'en ai rien à foutre? Gérard. Voilà, enfin, c'était le piège. Ok, bravo. Donc on aura pu s'abstenir de faire effectivement le stupido avec Fildar. Peut souvent intervenir, bien mieux ça sera dans le Star System. Merci, c'est terminé, Fildar. Il y a une question, une devinette pour les auditeurs et pour toi aussi. Oui. Comment GG fait-il pour enlever son préservatif après une relation? Il pète. Oh là là, c'est chiant. Alors que ça, écoutez, c'est même plus joli que ce que nous met Gérald. Hein. Rien à voir, la bruit des oiseaux, la chanson douce et romantique pour toutes les filles qui sont là ce soir et qui vont devoir nous appeler pour parler à Prosper. Pour toutes les femmes qui m'aiment. Ta langue me chatouille, juste dans le fond du gosier. Et ton doigt me trifouille, y'a plus facile de gérer. Attention! Amène-moi votre tapis dans le cul, quand on n'en parle plus, hein, Gérald? Yes, ça va te le faire. Je sens tes têtes, tu hurles, va prendre mon gros pita. Voilà que tu m'enfiles, enlève et couvre le bras de ma. Oh, chanson paillarde, attention! Dans le cul, quand je vais le vide, amène-moi dans ta pile dans le cul. Hey! Mais ta pile devient folle, tu ne peux plus bander. Au désir qui m'affole, passe-moi le bas de Michel. Chanson paillard, patrimoine français, hein? Elle est sympathique. Et qu'on n'en parle plus. Imagine quand même être un pichet dans le derrière, quand même, à mon avis, ça me paraît difficile. Hein. Enfin, c'est pas ton ami. D'accord, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Donc on va appeler chez lui? Ben, je sais pas. On va sûrement tomber sur un répondeur, sur un truc d'association. Comme Raël. Raël, putain. Il paraît qu'il a des gosses en plus. T'imagines les rampes, t'imagines les enfants, ils doivent être un peu perturbés. Ils doivent être habillés tout en blanc et tout dans des vaisseaux spatiaux avant de se coucher. Ils doivent, ils doivent sûrement avoir les petits hommes verts. Qu'est-ce que c'est? Allô? Allô? Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bob? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Oui. Allô, répondez, qu'est-ce que vous voulez? Moi rien, c'est un ami à moi qui voulait vous appeler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, j'appelle parce que je suis tombé sur un prospectus sur les extraterrestres, en fait, sur la réalité extraterrestre, etc. Et je voulais en fait m'informer parce que je suis beaucoup intéressé par tout ce qui touche un petit peu à l'espace, à l'univers, etc. Oui, mais écoutez, monsieur, attendez une minute. Il est 1h du matin, 2h du matin. Oui, mais... 2h du matin, vous téléphonez pour parler des extraterrestres. Vous croyez pas que c'est exagéré un petit peu? Bah écoutez madame, je pensais que je tombais sur quelque chose de sérieux en fait, parce que moi je suis... Mais vous
vous avez eu le téléphone? Ça me touche. En fait, j'ai eu un papier concernant... Enfin, il y a marqué ça, nous sommes passés dans l'univers, etc. On a été pris en stop par probablement votre mari. Voilà. Et j'ai eu ce numéro de téléphone et je voulais en fait m'informer. Il nous a dit qu'on pouvait appeler 24h sur 24, alors... Oui, bien sûr, monsieur, mais pas 2h du matin. Ah bah si, 24h sur 24, ça peut être à 2h du matin comme à 14h de l'après-midi. Oui, et vous voulez savoir quoi? Bah on voulait déjà savoir si c'était pas des conneries, si on n'était pas en train de se foutre de la gueule en ce moment-là. Non, pas du tout. Mais enfin, 2h du matin, oui, bien sûr. Je sais pas s'il a mis sur les papiers ça, mais enfin, oui. Là... Si. Et il a mis ce numéro de téléphone? Oui. Ouais. Et en fait... Bon, alors attendez, une petite seconde, ne quittez pas. Tu me baratines pas, Bob? Ah non, non, je t'assure que c'est un vieux type, apparemment, ça doit être... Non, mais c'est pas... Ouais. Alors, on essaie de voir. On recommence. Ah, là, là, là. Bah oui. Ouais. Alors là, on recommence. Et j'espère que ça va le faire. Normalement, ça devrait être le mec. Alors. Qu'est-ce qu'il fout? Alors là, pour l'instant, ça ne le fait pas. On attend toujours le coup de fil, enfin, que la personne arrive. Allez, allez. Allô? Ah bah super, on va rappeler, parce qu'apparemment, elle nous a raccroché au nez, donc ça a dû couper, hein. Donc... on va la rappeler dans un instant, donc tu vas pas bouger, Bob. Okay, hein, donc dans un instant, on va rappeler cette charmante demoiselle, apparemment un petit problème technique. Ouais. Pas ce que je leur demande de faire, t'as l'autre... Allô? Qu'est-ce que c'est? Allô, oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. En fait, voilà, j'ai eu un prospectus sur les extraterrestres. Oui. Et je voulais en fait en parler, savoir si c'était possible d'en parler. Et je sais que j'appelle un peu tard, mais bon, je pensais qu'on pouvait... Non, c'est pas normal, ça fait... C'est un ami à moi parce que vous l'auriez pris en stop et vous lui avez dit que vous aviez été embarqué par des extraterrestres, que vous en aviez vu, vous lui avez donné un prospectus avec un numéro ou appelé. Ah, parce qu'il croyait, mon ami m'a dit qu'on pouvait vous appeler 24h sur 24. Ah, d'accord, donc c'est faux, tu m'as menti, toi. Bon, alors vous appellerez dans la journée. D'accord, et là vous pourriez nous renseigner? Non, mais demain on pourra être renseigné? Non, maintenant c'est pas difficile. Pardon? Non, pas maintenant, mais d'ici demain, on vous appelle, on pourra être renseigné. D'accord, ok. Ben, j'espère que vous serez un petit peu plus éveillé, quand même. Je suis éveillé, mon brave. Pardon? Je suis toujours éveillé. Ah, vous êtes toujours éveillé, vous ne dormez jamais. Mais seulement la seule chose, c'est que vous agacez les gens qui sont avec moi. Ah non, non, pas du tout, c'est que... moi, j'ai eu le prospectus, moi, j'ai besoin d'en parler, et donc je vous appelle maintenant, si vous... On demain. Oui, c'est ça. Si vous voulez, on peut se rencontrer. Ben, écoutez, moi... Ça... Pardon? Je préférerais. Ah bah, se rencontrer, il faut déjà...